Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Réaction. Réaction, aujourd'hui, nous sommes le 14 décembre 2022. Tout comme on a M23, na FARDC, Koutani na Kibumba, Basololi. Masolo ana. Dans le prochain numéro, Tokopé Sabino, le contenu de ce message-là. Mais ici, nous voulons réagir sur une chose. Oyo, toza komo na ke, effectivement, le gouvernement congolais maintenant a kokite, toloba a kokite, kobengana M23 par la force. Et maintenant, les négociations se font entre les armées. Donc, le M23 n'a pas fait d'essai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement est commis à reconnaître M23 et Zala na mabelewana ou ba conquérir Bayokana, Masasi, Mandoki, Tochanase, Totala Ndengeni na Koyokana. Quelle est la conséquence de cette histoire? Tolobaki awa depuis kala que bandeko solution eza globale. La solution doit être globale sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire quoi? Na ouvrir na une parenthèse moko na banzi ke bomoni côté ya kwango kuna FARDC ekei ko solola na ba jeunes, plus de 2000 jeunes qui ont voulu justement bah passer engagement na bango ke ba okota na nani na défense ya mboka. Donc ils vont adhérer au FARDC, donc ils sont prêts à être recrutés dans le FARDC. Na kangana nous parenthèse wana boza komona ndenge nini tozo kende batu na batu bakomi koyeba ke non, en tout cas awa biso tozo administration to contrôler mabele na biso. Tout ce que le FARDC vont faire à l'est de la République démocratique du Congo, c'est qu'ils ne seront pas capables de chasser le M23 par les armes. Ça, nous devons les accepter, Lokwana. Parce que M23 est en opinion sur lui. Bamakambo ebele, donc les informations batuba kufi batuba twasali boye ba faire de ces ba récupérer bunagana le kuta ezali wapi eza côté ya gouvernement congolais. On voudrait faire une diversion, opinion publique ba kosa kabiso ke non ba kangi kotoyo ba keni. La réalité est que le M23 est à pignon sur rue. M23 azako s'imposer malembe et azako imposer négociation wana. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est la paix de la République, du peuple congolais, partout, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est ça que le peuple veut. Tolingi kobundate, tolingi masasie betakate. Mais si aujourd'hui, ba négociation a cessé, et comme ko kendeke non, ba soda ba kendeko solana, ba M23, ba ebisa bango, ba M23, ba lobi, bon, ok, problème, ezate to solo li, mais... chama na bango, donc parti na bango et go kende ko solola et pe sa réponse, parce que c'est comme si le FARDC maintenant vient négocier avec le M23 ya koloba ke non boti totika ko bunda mais toyokan totala ndenge nini tokoyokana. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tokoki ko bunda ko bimisa bino na masasite, tokoki ko reconquérir nani Bunagana, disons, Rutshuru na masasite. On ne peut pas vous imposer une certaine chose. Il y aura négociation. Et cette négociation aboutira à quoi? Aboutira justement à ce que le M23 s'impose et exige au gouvernement de Kinshasa de dire que non, bon, awa biso to imposer boye. Awa nde biso to kosala boye. Vous allez voir que dans les prochaines avenir, ils ont déjà commencé à libérer les camions, les kakanango et utakakote à Butembo, Tigoma. Mais ça sera une zone occupée pratiquement par le M23 où le gouvernement congolais n'aura pas à contrôler ce territoire-là. C'est ça justement là où nous allons aboutir et que
babilo komususu bomona ki wilingo makena ba classe tout ça komi na ba école alobi no bozonga batu bazonga na bangona na nani na situation na boba baya ko vaquer na ba banani ba occupation na bango. Ça sera sur leur contrôle. Ils vont imposer leur administration. Ils vont imposer ce qu'eux, ils veulent. Et que Kinshasa, il faut endima bango. Parce que, nan nenge to toke to lobi ke non, to bengana bango par mando ki eko simbate. C'est ainsi que vous aviez vu na ba soda Kenya o ba bobalingi na bango ko bunda na M23 te ba convaincre ba soda ya faire de ce que no token de kosola na batwana comme ça ba zonga ba bima. Mais ils ont posé la question toko bima awa token de wapi. Et nous disons ceci: la solution est globale, la solution doit être prise au niveau de Kinshasa en dire que recommençons les choses à zéro. Babilo konyo sotozo kendeo diplomatie agissante. Peut-être que c'est ça la diplomatie agissante que ils sont en train de parler que ba kabolambo kanabiso. À ce moment-là, le Congo sera divisé et Congo effectivement balkanisation ana ekozala effective. Parce que tokoki ko récupérer lo ko anate. Il y aura une certaine administration que oyo M23 za kokoko ko sala côté à Rutshuru kuna bangolo. Nous avions dit que ceci. Solution est la politique. La solution pour que ces gens-là puissent se battre mando qui n'a il faudrait que base à la na impliqué dans l'administration, base à la impliqué na kokabola mboka oyo bango base à la et pas na bango bino pe base à la et pas na bino makamu tsusu te bobo ya kotumo la biso te biso peto kende kotumo la bino te. Ils vont imposer une certaine administration chez eux, ce qu'ils ont commencé déjà. Na ebite soki tozako kanisa ndenge nini biso ba kongole. Tokoki ko condamner M23, mais ce qu'ils disent, soko tali makambo bazako loba na kati, botala batu nyonso to na kote kuna. Ezali makambo ya ba Rwandais bazali kuna. Vous allez voir que ce sont les Rwandais qui sont derrière ces gens-là. Effectivement, soki ba Rwandais bazai pa na bango kuna, bazako supporter batu wana. Dans le M23, il y a les Congolais et ils profitent justement de cette situation que ba Congolais bazana na kati bazako supporter ba biloko wana. Nous avions dit que le problème est à la racine qu'il faut d'abord corriger. Et là, quand Kinshasa fait na politique, moko akoloba ke non. Makambu o ezaka ka awa na Bunagana te ou bien awa na Rutshuru te. C'est sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. O tokoki ko solola na solution moko globale, o eko inclure batu nyonso. Nous vous avions dit que biloko nyonso ezako uta wapi, ezako uta na identification à peuple congolais, ya ko se reconnaître que mabele o eza mabele na biso. Batu na batu il faut bayeba ke awa eza pa na biso, makambu nini ezako salema awa. Nous avons aussi droit à la gestion de ce pays. Mais ezala te ke no batu msusu balekela batu msusu batu o baluba balekela ba swahili ba swahili baleka balu. L'identification de la population est très très importante pour que nous puissions avoir une certaine quiétude na koter likambwana identification. On ne peut pas aller aux élections sans avoir identifié les gens. Bozoka ni sababilo kwata o ya senior bazako lobake no batu ba s'enregistrer à partir ba téléphone na bango ba s'enroler. C'est platonique et ça ekopé sa solution mon côté. Ba élection o tozo kende na ngwe ekopé sa solution te. La solution sera c'est que il faut que bisonyo soto solo la likambwana constitution à Sika. N'allons pas na cesse poto loba eh non ba OK tokotika mandoki bino bokozala kake pa na bino kuna biso pe tokotika le pa na biso. Ça c'est la division. Oh et ça conséquence ya balkanisation mboka na biso. À un certain moment, ils vont commencer à prendre les taxes, ils vont commencer à se nourrir, ils vont commencer à biffer mouvement na bango ti tant ba komona ke no OK awa biso pe ba kongole tokondima ke no tokiko chasser bino te. Alors botika la kuna wana ezala mboka na bino. C'est le Rwanda qui s'en qui en profite. Balkanisation ya ngoana nyoso tozolo ba awa. Il est grand temps à ce que gouvernement a Kinshasa eye ba ke non. Solution na kokenda ko sola na ba M23 kaka ba M23 bo. Est-ce que solution na ndezo silisa ba tueri na Ituri? Ba solution na ndeza ko silisa ba tueri na côté nord ya Sud Kivu kuna. La solution est globale ici et nous disons que solution au gouvernement Kinshasa qui kosala il faut la solution moko ezala applicable na Katanga par-ci par-là pour l'unification du pays batuna batuba solo lana nous sur notre nouvelle constitution sur un nouveau Congo. C'est là que nous nous sommes dit awa tozako yebisa bino ke
Kinshasa eza kokoka lisusu te ko gérer mboka mobimba. Et mboka mobimba oyo eza kozala gérer te parce que nous ne nous connaissons pas. J'insiste beaucoup sur l'identification de la population. Batou batouana baza kote kuna ya ba M23. Batouana toyebi ba combien ya ba Rwandais baza na kati ya ba M23. Nous ne savons pas. Nous nous avions dit ceci. Soki to lingi to to silisa likambwana ya ba M23, ça doit être une solution politique qui doit être dans l'ensemble, ezala ensemble la République démocratique du Congo. C'est comme cela que nous nous sommes dit, appelons les états des lieux de chaque territoire oyo batou nyoso to baza na ba armes oyo batou basi mandoki baya kosolola na ba politique na bango soki eza mouvement politico militaire baza la kaka na kati ya territoire wana bakende kosolola batu na batu to solola toloba biso nyoso toza Congo mais le problème est que tozo yeba nani nde congolais te nani aza congolais te. Nous nous avions appelé à ce que le président de la République atika négociation wana ya ba mabele wana na ba autorité locale o bayebani na kati ya nani ya ba bituka. Donc c'est-à-dire que les rwandophones qui sont là-bas avec la population qui est là-bas. Au bazar reconique non au batwana bazalaka côté oyo. Bakende kosolola sur une nouvelle constitution de la République démocratique du Congo. Oyo kosilisa ba makamu nyoso. Oyo kosilisa ba baba ba corruption ba mégestion ya l'état ba tout ça. Tout ça part de la constitution qui doit être changée. Ce qui président a consenté à ce que non, toko tika la kana constitution oyo, toko kende kana buluye que toko reconnaître ka congolais azana ni congolais azana ni te. Kaka ndengo wana tozo kende, les infiltrés seront toujours dans l'armée, les infiltrés seront toujours dans l'administration, ba infiltré ba kozala parce que ba to baza ko supporter M23, Rwanda azana sima na bango. Ainsi ils en profitent justement pour créer encore la zizanie. Toko banda kaka kozalaka na problème on a oh yo za munya Rwanda oh yo za mutwa bo yo za. Prenons le temps de nous mettre ensemble à causer sur le problème global de la République démocratique du Congo. Identification surtout. Toti kana nous makambo ba élection à côté. Dès que toko remettre ba administration à chaque territoire en place et à cela et ça a copé sa biso makambo koloba. Nani nde aza congolais, nani nde mutu aza awa. Les M23 sont en train d'imposer ba chef de riz, ba chef à secteur côté kuna qui ne sont pas même ba bango peut-on soubaza ba congolais té. Et cette histoire va rester comme ça parce que tozo yebate politique nini ango toza ko appliquer globalement pour la République démocratique du Congo. Vraiment na suki wana na zo réagir kaka na meeting oyo ba soda oyo ba sala ki na kati ya Kibumba kuna bakende ko solola ba sololi nini. Ils vont vous amener la même chose qu'ils ont dit sur le plan politique. Voilà, mes chers amis, nous nous arrêtons ici, nous serons pas très longs, mais nous croyons et nous osons croire que Batouana, effectivement, Batou baza na sima na bango, baza ko profiter na situation chaotique oyo mboka na biso eza na kati. Abonnez-vous nombreux sur notre chaîne, s'il vous plaît. Bon abonné, s'abonner parce que idée auto za nango awa, nous pensons que eyango nde kozala idée moko salitaire ya mboka na biso. Abonnez-vous, partagez, soki olingaki, tiens-moi j'aime pour que ba visibilité ba émission na biso ezala vraiment ya munene. On se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien, au revoir.